Quelles sont les missions dévolues à un chef de quartier, Gabriel Obiang, qui est le chef du quartier Okala Enyangmensisiba, dans la commune d'Akanda? Nous donne la réponse dans ce reportage de Paulin Siaki. Qui contribuent à apaiser l'esprit pour une prise de décision appropriée lors du règlement de certaines palabres dans nos sociétés traditionnelles, même pendant les rites initiatiques, parce que, endroit par excellence où siégeraient les entités protectrices et conservatrices des valeurs chez la majorité des peuples du Gabon et africains dans une commune mesure. La chefferie commence par le chef de famille. Chef de famille qui devient à la longue, quand le village s'agrandit, il devient chef de village. Et quand le village se modernise, il devient chef de quartier. Et tout cela, et ça continue par le département où il y a le chef de canton. Donc, tous ces démembrements-là dépendent du ministère de l'Intérieur, qui est notre chef. Cet honneur qui m'a été fait d'être le chef de mon village, je n'ai pas voulu le faire de manière archaïque. Je me suis dit, je dois marquer. La chefferie, socle de la gestion des communautés d'un environnement précis, village ou quartier. L'animation à la première échelle. Le chef de quartier doit être un modèle dans le sens du terme. Et ce dernier le reconnaît. Je voudrais que les chefs de quartier comprennent que ce sont les premiers chefs de la première institution de la République. Parce que le chef de quartier, c'est lui qui remplace le président de la République dans un secteur donné. Celui qui remplace le ministère de l'Intérieur dans un secteur donné. Celui qui remplace la police dans un secteur donné. Celui qui remplace les instances, même le tribunal dans un secteur donné. Ils doivent mettre en valeur leur fonction de chef. Ils doivent savoir que sans eux, beaucoup de choses ne peuvent pas être réglées dans la République. Pour certains d'entre eux, comme celui du quartier Okala et Melen, dans la zone nord de Libreville, commune d'Akanda, pour revaloriser sa fonction et donner une apportrice à ses charges administratives, il a, avec les moyens propres, bâti cette chefferie moderne équipée, de sorte que les différentes parts traitées, tout soit répertorié afin de donner une traçabilité à ce processus. Ne recevez plus vos amis à la terrasse ou dans vos salons, c'est très dangereux. Si vous recevez des gens dans des salons, ils peuvent être très violents, ils vont tout vous casser, personne ne peut rembourser ça. Faites, construisez quelque chose comme ce que vous voyez maintenant. Au moins, là, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est bon. C'est un environnement. Quand ils arrivent ici, ils savent qu'il y a le droit. Il y a la discipline. Ce relais de l'administration a également mis en place cette structure pour que les populations qui sollicitent l'apport du chef qu'il est lors des règlements préliminaires des différends se retrouvent dans un espace où les conditions sont les meilleures. Je respecte les hommes. Je respecte les hommes. C'est pour cela que je me suis dit, en face de moi, des êtres humains, des gens qui vont me soumettre problème. Il ne faut pas qu'ils viennent se retrouver dans un espace qui va les gêner, qui va dénaturer la fonction de chef que moi j'essaie d'élever au niveau le plus stable au sein de la société. Je voulais que le chef soit respecté. Le chef doit travailler dans un environnement propre et sain. Le chef reçoit des Gabonais, des êtres humains, et toute nationalité confondue, la chefferie doit refléter l'image de notre pays. Voici un exemple qui pourrait inspirer les autres chefs de quartier. Chef Gabriel Obiang Etogo fait ici son bout de chemin avec cette volonté de toujours apporter le meilleur de lui-même pour revaloriser cette fonction où les responsabilités ne sont pas souvent faciles à gérer au regard de la complexité des décisions souvent à prendre lors d'un différend entre les parties en conflit.